un militant de Reconquête s'est fait alpaguer sur le marché d'Aulnay-sous-Bois en 93 parce qu'il a le malheur d'être d'origine africaine, les gars. C'est parti, on va voir ça. Et alors, tu parles de l'immigration aujourd'hui. Qui se retourne contre la France? Parce que l'Afrique est bourrée de ressources. Oui, je le parle, je suis d'origine africaine. Les Africains sont bourrés de ressources. Tes parents, c'est des immigrés et tu peux arrêter l'immigration. Mais t'es débile. C'est tellement débile ça, parce que je sais pas, Jordan Bardella, il est d'origine immigrée aussi. Il y a plein de fils d'immigrés qui votent RN. Pourtant. Ils veulent pas que, je veux dire, Jean Messia qui est chez Reconquête, il veut pas que la France devienne l'Égypte. C'est stupide. C'est pour ça qu'il est venu en France, parce que la France n'est pas l'Égypte justement. T'es débile. Je suis devenu français. Je suis pas devenu français pour défendre la France. Je suis devenu français pour défendre la France. Je ne suis pas devenu français pour défendre la France. C'est des immigrés et tu vas refaire l'immigration. Mais tu es un débile. Vous voulez importer vos origines. Tu es un débile. Et moi, c'est un débile. Tu ne serais même pas par rapport à ces amis ici. D'ailleurs, il faudra en parler un peu de tous les parents immigrés qui viennent en France avec leurs enfants et qui, en fait, au lieu de changer le destin de leurs enfants et leur donner un destin un peu plus sympa, non, ils les éduquent à l'africaine, dans des quartiers africains, et les petits, ça devient des Africains, en fait. En fait, ça ne va rien changer. Au lieu de rester en Afrique, ils sont en France, d'accord, mais ils auront des coutumes d'Africains. D'ailleurs, on le voit, les populations pas intégrées, je veux dire, ils sont tous dans la précarité, alors que là, on a affaire à un homme d'origine africaine. Qui fait de la politique, le mec fait quand même des choses super, oui, c'est autre chose. C'est, je sais pas, je comprends pas le délire, quoi. Vous voyez les deux vieux là, ça regarde un petit peu le militant Reconquête comme une bête de foire. C'est vraiment le retour des heures les plus sombres, hein, les gars. Hein. Un peu comme les mecs qui font des saluts nazis aux côtés du LFI, quoi. Donc, ouais, c'est quand même bizarre. Surtout que, faut bien comprendre, hein, je sais pas s'il y a des fils d'immigrés qui nous écoutent, la gauche vous manipule totalement. Ça, vous le comprenez pas, c'est pas grave, mais nous, on vous le dit. La gauche se sert des immigrés parce qu'en effet, les immigrés font le sale boulot que les Français ne veulent plus faire, c'est-à-dire voter pour l'extrême gauche. Voilà, c'est pour ça qu'ils vous cassent, ils vous le caressent dans le sens du poil. C'est tout, c'est pas pour autre chose. Hein. Parce que aujourd'hui, le peuple autochtone français ne vote quasiment plus pour LFI. Hein. Là, ils sont à 6% d'attention de vote, c'est très très peu. Ils ont besoin du vote immigré. Comme d'habitude, ils ont toujours besoin de la chair à canon immigrée. Hein. C'est toujours pareil. Ils ont besoin aussi, chez France Inter, par exemple, de personnes pour nettoyer les chiottes, de vigiles africains. C'est pour ça qu'ils veulent de l'immigration. Mais tout le reste, ils s'en tapent, les gars. Arrêtez d'être manipulés, les mecs. Hein. Ça devient insupportable. Merci à vous. Le racisme, aucun racisme, monsieur. Je demande au Français, Le mec, il dit que c'est un raciste, alors que justement, dès que le type, là, le mec avec sa casquette, dès qu'il voit un immigré émancipé de toutes ses idées à la con, ah bah directement, alors vous venez d'où il le prend à partie justement parce qu'il est noir en fait et parce qu'il vote Reconquête. Donc en tout cas, bon, abonnez-vous les mecs, on va atteindre les 100 000, ça fait plaisir, ça coûte rien vraiment, ça me fait juste plaisir. Lâchez votre plus grand like, mais on voit le vrai visage de la gauche. Hein. La gauche, c'est avant tout, c'est la haine quoi, toujours la haine. C'est très très bizarre. C'est odieux quoi, c'est odieux. Donc, écoutez votre plus grand like et on se dit à bientôt les gars. Ciao.